Ceci est la vidéo du retour, du revient, de je reviens, du... Ok, vous avez compris, c'est encore une fois une vidéo de retour, mes chers amis, c'est vraiment la dernière. Salut à tous les amis, c'est Félix Gaming, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir reprendre les vidéos, puisque, voilà, il y a 4 mois, j'ai sorti une vidéo pour vous prévenir que j'étais de retour. Malheureusement, il n'y a pas une nouvelle vidéo, alors je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'étais absent ces 4 derniers mois, et pourquoi j'étais absent aussi cette dernière année. Parce que si on remonte en arrière, on peut regarder qu'on n'a pas fait vidéo depuis un an, donc c'est un peu dramatique on va dire sur cette chaîne. Donc je suis là pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais autant absent, et je vais vous expliquer aussi ce qu'on va faire plus tard sur cette chaîne. Là je compte bien reprendre l'activité sur la chaîne puisque je suis de nouveau motivé en fait. Voilà. Alors la première raison de pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube, c'est très simple. Enfin j'ai pas vraiment arrêté, j'ai juste fait une pause parce que j'en avais envie. La première raison c'est à cause du bac, puisque je me suis dit qu'il fallait que j'arrête YouTube pour mes révisions, et à cause de ça j'ai perdu mon rythme. Donc voilà, mon rythme qui était de une vidéo par semaine. Et ça aussi on en reviendra puisque je vais réinstaurer un rythme régulier, bien évidemment. Ensuite après le bac, vous êtes en train de vous dire: mais Phoenix, il y a les vacances, tu pourrais peut-être faire des vidéos pendant les vacances. Eh bien non, puisque je me suis dit que je vais prolonger un petit peu cette pause. Je me suis dit que je vais prendre encore 2-3 petites semaines vraiment de pause. Et au final, avec cette pause prolongée, j'ai perdu complètement le rythme et l'envie de faire des vidéos, puisque je n'avais plus aucun concept. J'ai fait un petit best of Overwatch pendant les vacances, sort une vidéo en 2 mois, c'est pas ouf, on est d'accord. Et du coup voilà, j'ai eu une petite perte de motivation là-dessus, mais c'est pas très grave puisqu'au final là j'ai quand même pas mal du contenu qui vous attend, hein. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs, vous verrez bien, vous me direz vos retours. Et voilà, du coup ensuite à la rentrée en septembre, eh bien j'ai déménagé, comme vous pouvez le voir ici dans mon appartement. Quand j'ai déménagé, je n'avais pas mon ordinateur, c'est-à-dire que de septembre à décembre, j'avais pas d'ordi. Et quand j'ai reçu mon ordi, je me suis dit, maintenant je vais pouvoir reprendre les vidéos. Sauf que non, je n'avais pas le temps et ni l'envie de refaire les montages, puisque j'avais enfin une bonne connexion, puisque actuellement j'ai la fibre optique, et je me suis lancé dans les streams. Enfin, je me suis relancé dans les streams, et depuis, on va dire, du coup, décembre, je fais plein de streams, plein de streams. Vous verrez mon lien de mon Twitch dans la description. Et justement, grâce à ça, j'ai pas mal de contenu à monter qui vous sera bientôt disponible sur YouTube. J'espère que ça vous plaira vraiment, puisque ça a l'air d'être sympa. Et puis, j'ai quelques petites surprises aussi pour les anciens de la chaîne, ceux qui m'ont connu grâce à quelque chose. Je peux pas vous en dire plus maintenant puisque je suis en train de le préparer en secret, bien évidemment, mais il y a des choses qui vont peut-être arriver, je ne sais pas quand, mais voilà, c'est des petits projets comme ça qui arriveront, ça va être sympa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sur cette chaîne YouTube à partir de maintenant? Ça fait beaucoup de maintenant. Eh bien tout simplement, ça sera des best-of, de jeux, des petits gameplay comme ça, des let's play sur un jeu quand j'en ai envie d'en faire un. S'il y a un jeu qui sort qui m'intéresse, je peux très bien faire un let's play dessus. Je peux faire aussi des facecam comme ça, ou à vous parler d'un petit sujet, etc. Quelconque. En gros, cette chaîne, ça va de redevenir quelque chose comme avant. C'est-à-dire que quand j'ai créé ma chaîne, j'étais en mode, ok, je vais faire du contenu qui plaît, qui me plaît, et ce qui est arrivé avant que je fasse ma pause, c'est que je faisais du contenu pas vraiment qui me plaisait. Et je pense peut-être que ça se voyait. Donc à partir de maintenant, on va dire qu'à partir de cette vidéo-là, mes chers amis, c'est le reboot de la chaîne. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il va y avoir un nouveau contenu. Il faut savoir aussi, c'est que je fais des facecam depuis pas si longtemps que ça, au final. Moi, je pense que ça va juste le reboot, et j'espère que ça vous décevra pas trop. Enfin, à ce que je prépare, à ce qui va arriver, j'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, sur ce, mes chers amis, merci encore d'être présent. Je fais une petite parenthèse comme ça avant de vous quitter. Merci pour vos retours sur la vidéo qui est sortie en décembre. Tous vos petits commentaires, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Même si j'ai pas fait de vidéo après, vous m'avez vraiment fait énormément de plaisir. C'était grave sympa. Merci à tous d'être encore là. Et sur le vlog, merci pour vos retours, pour vos pouces bleus, pour vos vues, pour vos commentaires. C'est vraiment cool. Merci à tous. Et sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos tous les mercredis à 18h. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Ciao, ciao. Et à plus. Ciao.